to call you up, I never would have too much time. Things were always pretty good when we were staying by my side. If I ever fall in love with you, it's gonna leave my mind. You ain't gonna be the same, that's how I'm feeling now. Be what you did to me, oh baby, with a step inside. I wanna see a lot of things, something that all love me with you. And I'm always here for you. Heureux. Bon allez, un petit café, on se remet au taf. Va falloir, hein. Va falloir.
Ouais, je porte des Pampers. Et alors? Et alors? Ça, je trouve que c'est une bonne gueule, ça donne un bon style. Un jour, il y aura... Je suis sûr qu'il y aura la mode, hein, des trucs comme ça. Vu le prix que ça coûte. Voilà, quoi. Regandalf, ça va tout le monde? Allez, on va la faire, cette petite bibliothèque, là, parce que bon, voilà, quoi. Ça avance pas beaucoup, hein, sur ce stream. Hein. C'est quoi ce streamer, là, à 2 balles, là, qui développe à 2 à l'heure, là, qui fout rien de ses journées? Franchement, vous avez vu ça? Alors, et comment ça va? Vous avez bien mangé? Vous allez à la pêche et tout, vous êtes prêts pour le week-end? Ça souffle ici, j'ai peur pour mes toitures. C'est vrai, chez toi ça souffle? Non, ça va, chez moi dans le sud ça va, toi il fait... Bon, il fait pas hyper beau. Hein. Tu mets ton pied dehors, c'est humide partout, c'est un peu chiant, mais sinon, tu veux vraiment qu'on parle de la pluie et du beau temps tous les deux? Ah, ça s'annonce mal, hein, pour faire les pique-niques ce week-end, ça va pas être top. Hein. Allez, on est parti! Allez, hop, je cut tout ça, j'ai mon petit café, j'ai tout ce qu'il faut, je vais finir mes petits bouquins, et on va faire un petit mécanisme de porte. Il faut que je modifie mon code d'ouverture de porte. Vous allez voir, j'avais fait une classe qui était pas mal, il y a quelques semaines, on l'avait fait en live, et là on va lui ajouter un petit ajout. Voilà, on va ajouter un ajout, ça c'est la phrase du jour, je crois. Salut Anthrax, heureux, toujours en forme j'espère. J'ai vu des trucs, Monio il est en train de faire des trucs là sur le Discord avec ses voitures. C'est plutôt cool, hein, franchement. C'est plutôt cool ce qu'il est en train de faire. Donc, faudra que je le fasse venir un jour sur le live, qu'il nous parle de ses techniques de voiture. Je sais pas s'il m'entend. Si t'es là, Monio, vas-y, n'hésite pas à répondre. Mais faut vraiment que je te fasse venir un jour et que tu nous présentes un peu tout ton système de voiture qui est assez hallucinant, quoi, je trouve. Enfin bon. Donc. Mon petit café, on va baisser un peu la musique, un tout petit peu, hop, et je vais finir mes petits bouquins. Donc j'ai testé plusieurs trucs, je vais faire à moitié des primitives, et je vais faire des aplats de couleur béquée avec substance. Pour la plupart des emplacements de la bibliothèque. En fait, la plupart du temps, je vais laisser des aplats en fait comme ça. Et par moments, je vais mettre des petits bouquins comme ça qui sont en mèche, qui sont designés pour apporter un peu de différence dans mes étagères. Je trouve que ça marche bien. On n'a pas besoin d'en mettre partout en fait. Le fait d'avoir des aplats, ça se voit même pas, quoi. Donc c'est le plus intéressant, je pense, à faire. C'est ce qui marche le mieux et ça me plaît bien. Donc on est parti, on va continuer comme ça. Donc là j'ai quelques bouquins, je vais faire les autres. Je vais faire de la même manière. Voilà. Alors, on est parti. Donc, je me fais les petits UV. J'aurais pu découper un... Non, c'est pas grave. Je vais faire un deuxième UV pour le light map. On va partir sur le premier. Et je vais placer donc mes couleurs comme ceci. Donc lui, je passe les couvertures en fait en foncé. Comme ça, je peux utiliser le clair pour faire les étiquettes, tout simplement. Je fais l'intérieur de mes livres. D'ailleurs, on va appliquer le matériel, là. Hop. Voilà. Je fais donc l'intérieur de mes livres en blanc. Pour être tranquille. Ok, donc tout ça, je vais les apporter à côté, vers ici, et ensuite, je fais des étiquettes, donc, on va faire une là, on va en refaire une là, et une ici, voilà, et ça, je les mets en couleur plus claire. Ensuite, je vais changer la couleur de certains, donc je vais prendre celui-ci, et je vais l'amener sur du vert, par exemple, voilà. Et du coup, on va faire trois couleurs, vu qu'on a trois bouquins, autant utiliser toutes les couleurs. Tac. On n'est pas obligé de changer de couleur de toute façon. Je peux appliquer les mêmes couleurs en fait sur tous les bouquins. Et là, on a tout ce qu'il faut. Je vais sortir ça donc sur le book, plain book 4.
Je vais appliquer donc ma primitive ici. Hop, et voilà. Ensuite, je vais appliquer donc mes loads, c'est bon, tout ça c'est bon. Je vais virer la collision. On va peut-être faire une collision simple là-dessus. Parce que de toute façon, mes bouquins ils sont entiers. Je pourrais les utiliser pour d'autres trucs. Ouais, on va faire une petite collision. Hop, comme ceci. Comme ça, je pourrais toujours poser les bouquins quelque part. Et je les ai normalement tournés pour que je puisse les poser à plat comme ça. Donc le route, il est vraiment sur l'angle. Comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Et après, on peut leur apporter des couleurs intéressantes. Si je copie ça, par exemple, hop. Je vais faire un petit truc comme ça. Voilà. Salut Nuxi. Nuxi TV. Bienvenue à toi. Ok, on continue là-dessus. Il a un trou, ton livre bleu. Ah ouais, il a un trou, sérieux? C'est possible, hein. Mais je ne crois pas, non. Non, non, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou du tout. On est bon. Ensuite. Si, il y a un trou. Voilà, on va aller voir ça. Où est-ce que tu vois un trou, toi? Salut, Pilulier. Tu vois bien qu'il n'y a pas de trou. Ensuite, donc UV, texture. Ta map en RGB où tu déplies les UV sur le petit carré de couleur, il va te falloir une texture géante pour avoir des détails sur tes mèches. Il va te falloir une texture géante pour avoir des détails sur tes mèches. Comment ça? Je comprends pas des artistes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mes UV sont là, on est bon. On va packer ça. Je pense, ouais, puis oui, ouais. Tes UV font à peine 1% de ma map. Ouais, mais c'est normal, je fais deux UV. Je fais une UV de couleur, une UV de texture. Donc ça, c'est pas un souci du tout, quoi. Et je vais pas apporter de texture directement sur les UV, je vais bosser en triple ANA, en fait, si j'apporte des textures. Donc, ça a aucun rapport, en fait. Donc ensuite, on va prendre ça. On va prendre ça. Non, on va se mettre ici. Ici et ici. Comme ceci. Et même chose, donc on va mettre les trois couleurs. Comme ceci. Ah, je crois savoir ce que tu voulais dire par il y a un trou dans ton livre. Alors attends, on va aller voir ça. Peut-être une normale inversée dans l'UE, j'ai vu un truc chelou. Je crois que t'as vu une couleur en fait qui correspondait pas au bouquin à mon avis. Parce que y a un truc que j'ai pas fait comme il fallait. On va aller voir ça. Donc là on est bon. Je vais sortir ça. Donc 5. On applique donc notre primitive data ici. Voilà. Alors, je vais mettre des textures là, des collisions ici aussi. On va poser les bouquins là. Ok. Alors, on a dit. Donc il y avait un trou
là-dedans. Alors c'est pas un trou, il n'y a pas d'inversion normale ou quoi que ce soit, mais en fait tu as une couleur rouge ici alors que ça devrait être vert en fait. C'est ça le souci que tu as vu, effectivement. Donc on va arranger ça de suite, c'est pas un problème. Mais bien vu, t'as vu quelque chose effectivement. Toc. Et toc. Alors après comment j'ai fait mon compte, ça c'est une autre question, mais... Ok, ça a l'air d'être ok. Ah, par contre, non, c'est bon. Alors là, c'était le 4, c'est ça? Si je ne m'abuse. D'ailleurs, je vais les nommer parce que sinon. J'ai appelé ça comment? Plainbook. Ok. J'étais en majuscule, c'est ça? Ensuite, il y avait celui-ci. Ça en 0,3. Il y avait celui-ci. Et celui-ci. Donc là on est au 0,5 normalement qu'on a fait. Hop. Et là on va passer au 0,6. Sur le côté du livre bleu aussi. Je vais aller voir. Je vais faire un truc, je vais faire ça, je vais mettre en mode edge. Donc lui le rouge il est bon c'est sûr. Le bleu donc il y a des problématiques ici. C'est chiant ça. Je vais faire comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Non, ça marche pas. Comme ça. Et il veut pas me prendre. Il est chiant, hein. Voilà. C'est bon? Y a plus rien. Et le vert, il est comment? Ok, là on est bon. C'est la reprise, hein. Le manque de café, tout ça, c'est normal. Tes UV font à peine 1% de ta map. Ouais. Mais en fait, ma map, c'est juste des UV. C'est. Alors, je vais t'expliquer le truc, Desertis. Sur le côté du livre bleu aussi, eh oui gars, pas de troll. L'œil de la top, ouais. Alors en fait, quand tu travailles sur cette technique, c'est une technique qui est connue, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est une technique qu'on utilise sur du low poly, généralement. En fait, tu vas faire plusieurs UV. Tu vas te faire deux UV map, grossièrement. Donc moi, je me fais ma première UV map qui me permet de juste positionner mes couleurs sur mes textures. Donc je vais juste mettre ma texture primitive ici. Donc cet UV en fait je peux le réduire comme je veux, même à un pixel on s'en fout en fait, c'est pas, on s'en sert juste pour localiser en fait les couleurs de ta texture. Donc ça je vais mettre plus par là. Et après donc je crée une deuxième UV map pour le lighting, et cette UV map en fait je vais la faire normale. Je vais faire un dépliage classique sur toute ma texture qui est en 512. Voilà. Et là j'ai un dépliage normal. J'ai un petit peu de déformation là parce que c'est l'intérieur des bouquins, je m'en fous en fait.
Il n'y a pas de lumière ici, donc, et puis ça va disparaître, on va le becquer de toute façon, donc on s'en fout. Mais sinon, la texture est comme ça. Et je travaille donc toute ma texture là-dessus. Toujours les excuses, le lundi on est fatigué parce que c'est lundi, le mardi pareil, le jeudi... Mais t'as toujours pas compris, Jay. C'est normal ça, c'est comme ça. T'as vu comme je suis rasé de près aujourd'hui? Oh, regarde, je suis tellement bien réveillé et bien préparé pour le stream. T'es pareil toi aussi, Piuli. Alors, ensuite, on va prendre donc nos pages. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Tac. Ensuite, mettre une page là et là. Un marque-page ici et un marque-page ici. Comme ça. Ensuite, on va avoir donc ce bouquin qui va être tout vert. Et ce bouquin qui va être tout bleu. Voilà. Donc lui c'est le 6. Donc ensuite le 7. Même chose, même boulot. Tu files ta playlist à GoFlood pour les oreilles STP. Là, ça va, j'entends pas beaucoup. Vous voulez vraiment une meilleure playlist? Alors attendez, bougez pas, on va faire ça cet après-midi. Je vais changer de canal pour la ZIC. Alors, ZIC, canal là. Hop. C'est par ici. Donc je vais me mettre sur le canal. Alors c'est lequel que j'exporte déjà? Je sais même plus. Je sais plus. Je ferai ça pour la prochaine fois, tant pis. Ils vont mettre ces japonaiseries. Alors bah, je vais vérifier quand même où est-ce que j'exporte mon son. Paramètres. Bah ouais, mais va trouver un style meilleur qui est pas protégé de droit, c'est compliqué aussi, tu sais. Alors, sortie... Piste audio, piste 1. Et enregistrement. Ok. Piste VOD Twitch 2. Ok, donc faut que je vire la 1, tout simplement. Et ça devrait être ok. Donc là, vous entendez toujours la musique. Ouais, vous entendez toujours la musique. Go sur la plateforme Kick, aucune imitation, bien mieux. Ouais, tu parles. Quand tu sais que c'est un... Comment on appelle ça? Merde. Comment s'appellent les trucs où t'as des machines à sous, là? Tu perds mes mots, ça y est. Gorgée d'eau, tiens-toi droit. Oh. Faut vraiment que je me tienne droit, sérieux? Quand tu sais que c'est... Je te crois pas, puis je sais que tu trolls. Un casino qui tient ce site, franchement, moi ça me... Oui, merci des artistes, merci beaucoup. Moi ça me freine direct, en fait, mais bon, chacun ses convictions, quoi, on va dire. Pour être gentil. D'ailleurs, t'as pas mal de chaînes de jeux d'argent sur ce site, sur cette plateforme. Donc j'ai même pas envie d'en parler, en fait, j'ai pas envie de faire la promotion pour ce truc. Mais bon. Donc oui, de la musique, on disait. Vous voulez quoi comme zik, les gars? Du hard rock, du metal, du Ayaka Amura ou je sais pas quoi, du Spice Girl.
C'est une société de casino, mais tu touches 90% des revenus et beaucoup moins de censure. Ok. Pourquoi t'as fait du RGB? Parce que j'utilise des primitives data, tout simplement, parce que j'ai pas envie de créer des instances de matériel à tout bout de champ dans mon jeu, parce que c'est lourd au bout d'un moment. Et du coup, j'ai qu'un seul matériau pour tout. Tout ce qui n'a pas besoin de détails en fait, et du coup ça prend zéro ressource et c'est opti, et puis ton jeu il rame pas, et puis tu peux avoir des jeux à 240 FPS sans problème quoi. Voilà, voilà pourquoi. C'est plus éthique, non pas trop non en fait, Jekyll, mais bon. Petit souci là non? J'ai pas rapporté le. C'est le 4 ça. Je m'en suis pas occupé du 4. Non, non, mais clairement, de toute façon, y a rien de propre, hein, c'est clair. Mais on va quand même pas. Enfin, j'ai pas envie d'encourager le casino, quoi. J'ai pas envie d'encourager le jeu d'argent, voilà. C'est mes convictions. Voilà, c'est mieux. On attend tes tutos. Alors en fait, c'est très simple. À la place de créer des instances de matériel, quand tu vas créer un matériel ici en fait et que tu vas lui apporter par exemple des couleurs dans une instance, en fait plus tu as beaucoup, si t'as beaucoup d'objets dans ta scène qui ont des couleurs différentes, genre tous mes bouquins de bibliothèque, etc., ça va te faire autant de matériaux que tu as d'instances de couleurs en fait. Donc ça a un poids, c'est assez lourd. Et la mémoire tampon de ton jeu en fait prend un coup. Donc moi ce que je fais, j'ai un code directement en primitive data ici. On appelle ça des primitive data, c'est un truc un peu particulier. J'ai mes couleurs directement ici. Comme ça, je peux changer dynamiquement toutes les couleurs de mes objets. Par exemple, ce bouquin rouge, si je veux qu'il devienne vert, il peut devenir vert, etc. Tu vois, je peux changer de couleur dans tous les sens. Et ça crée pas de matériaux supplémentaires. C'est vraiment c'est une primitive data. C'est une valeur, quoi. Donc, il y a ça c'est bon. Et maintenant. Maintenant, on va changer la couleur des bouquins. Et on parlait de musique, ouais. Qu'est-ce que je mets comme musique, du coup? Vous voulez quoi comme style? Tu as tout à fait raison, les jeux d'argent c'est de la merde. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Après, je dis pas que je suis pour ce que fait Amazon non plus. Hein. Mais bon. Si tu te bats contre tout ce qui existe, à un moment donné, tu fais plus rien. En fait, on peut plus rien faire du tout. Faut choisir ses combats. Mais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Un petit peu de vert. Chaque fois, je me fais avoir. Un petit peu de bleu. Hop. Et on peut sortir ça. Ça, j'arrangerai parce que ça me plaît pas. De toute façon, je vais les faire différemment, mes bouquins. Donc je crée ma deuxième UV. D'abord, je mets pack ici. Hop. Comme ça. Même chose pour ici. J'aurais pu faire les matériaux avant de faire mes packs de bouquins quand même. Je suis vraiment une. Aujourd'hui, je sais pas. Hein, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Parce que tout ça, je le fais parce que je l'ai pas fait avant, quoi. Vu que c'est tous les mêmes bouquins en fait. En même temps, j'aurais dû changer les couleurs aussi, donc ça aurait rien changé quoi.
inversé ici. Salut Tony. C'est possible de mettre des textures différentes sur différents objets en ayant la même instance shader pour tous? Oui, tout à fait, ouais. Bah, PUA, c'est les primitives data en fait. C'est ça le but. Alors, donc ce bouquin, ça va rester rouge. Celui-là, on va le mettre en bleu. Je vais inverser un petit peu tout ça. On va le mettre un peu plus clair même. Celui-ci, je vais le mettre en vert. Pareil, on va faire une couleur un peu plus claire. Ok. Donc ça, c'est le 8. Ça, et là on va doubler, hop, comme ceci. Ça, ensuite, ce bouquin il va être vert. Celui-ci va être bleu. Du coup, il n'y a plus de musique, non? Ah oui, il faut mettre. Si, si, il y a de la musique. Hein. Vous avez toujours la musique, arrêtez quand même. Je le vois, de toute façon, vous avez la musique. Putain, vous me faites douter, hein, vous êtes des salauds quand même. Je vais aller voir. Il n'y en a pas? Vous l'entendez pas? Oui, c'est normal, il n'y a plus de zik là. C'est normal. Pas de musique. Ok. Alors. Alors, stream demain matin? T'es fou, toi? Samedi matin? Ah, c'est bon, vous avez de la musique? Ah, du coup, je sais plus, ça doit être le 2 alors. Ah bah oui, c'est la piste 1 que j'envoie en VOD, donc... Attends, non, il y a un truc qui va pas là. Bon, mais tant pis, je vais laisser la musique aujourd'hui et je regarderai ça. Parce que normalement... J'envoie le 2 sur la VOD. Ah bah oui, c'est ça, c'est le 2, ouais. Donc c'est bon. Là, c'est bon, je suis réglé. Je me doute que toi, tu seras pas en stream demain. Ah, tu parles à Pilulier? Ah ben, s'il stream demain matin, on sera tous là en train de le suivre. Carrément. Donc là, c'est bon, on peut mettre n'importe quelle musique, c'est bon, on est libre, les gars. On peut faire tout ce qu'on veut, là. C'est ok. Un peu trop fort, ouais. C'est vrai. C'était pour être sûr qu'il y ait la musique, quoi.
Tu vas modéliser quoi? Tu vas continuer sur ton perso, Piruil, là? Demain matin? Epic Sound, musique, genre métal. Ah, tu veux du métal, toi? Tu veux combien de ça? T'es sûr? Allez, je coupe ça, hop. Et là, c'est bon. Et j'ai été accepté en tant que développeur sur Twitch, au fait, en passant. Donc ça, c'est une demande que j'avais fait il y a un petit moment. Faudrait que je vous montre ça. Ça va changer pas mal de choses, parce que je vais pouvoir faire des choses intéressantes, là, sur Twitch. Grâce à ça. On en reparlera. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, aussi? Donc la musique. On va laisser la musique, ça a l'air pas mal. Allez, go. Je te fais confiance. Elles sont libres de droit, c'est vrai? Je faisais l'autruche la dernière fois. Tu faisais une autruche à un moment donné? Je sais plus. Metal, c'est forcément mieux. Alors, ça, on est OK. Ça veut dire que tu pourras coder des trucs pour Twitch? Ouais, je pourrais surtout... faire un peu tout ce que je veux sur la chaîne. Enfin, vous verrez. On verra ce qu'on peut faire. On va voir ce que je vais pouvoir faire avec. Et puis normalement, je devrais pouvoir débloquer un badge aussi en passant développeur sur Twitch. Attends, faut que je regarde. Je sais pas comment ça marche. Normalement, je devrais avoir un petit badge marrant. Bonjour. Est-ce que je peux changer mon badge quelque part? Si je vais sur ma chaîne, par exemple, ici. Comment ça marche, ces trucs? C'est ici, peut-être? Non, c'est là. Ouais, faut que je regarde. Normalement, il y a un autre badge aussi, badge développeur, qui doit être débloqué. Je regarderai ça. Bref, continuons nos petits bouquins et notre bibliothèque, parce qu'elle va pas se faire toute seule. Voyons voir. Ça, c'est OK. Bon, il est sympathique, ce petit son. Il est très sympathique. J'ai créé un matériel de plus là. Hop, on délète. Donc, nos pages comme d'hab. Alors. Là, je vais mettre deux comme ça. Je vais en mettre un petit ici et un grand ici. On va mettre ce bouquin en vert. Et ce bouquin en bleu.
Ok. Salut Banshee, pour info GoFlute, je vais uploader le projet Frontier sur ton drive. J'aurai pas le temps de faire plus ce week-end. À la racine, j'ai mis un todo texte avec ce que je comptais faire si j'avais le temps, si ça peut te donner à toi ou au prochain lead des idées. D'accord. Merci beaucoup, vraiment. Parce que je sais que t'as fait des trucs vraiment quali. Et puis je vais regarder ça et je vais essayer de. Je vais essayer d'harmoniser un peu l'ensemble du projet pour que, bah, que ce soit facile à reprendre en fait au fur et à mesure. Voilà. J'aurai un peu de taf ce week-end, je pense, sur ça. Mais en tout cas, c'est super cool. Hein. Ça va être vraiment bien, quoi. Donc, pour ceux qui savent pas, hein, la Banshee, c'est la personne qui a réussi le concours donc lundi dernier. Donc il y aura à nouveau le concours, enfin le résultat de concours lundi prochain. Et il a gagné le droit de faire tout ce qu'il veut sur le projet Frontia, le projet communautaire. Et il a initialisé un petit peu le projet, du coup il a créé un début. Vous verrez, il y a une capsule de sauvetage qui s'écrase sur la planète. Il sort avec une arme, il y a des choses qui se passent en fait, il y a tout un environnement. Il s'est plutôt éclaté. Donc voilà, il a repris toutes les idées de tous ceux qui ont participé au défi là, la semaine dernière. Il a fait un travail qui est super. Vraiment, GG à toi. Et du coup, voilà, le prochain, celui qui va gagner lundi prochain pourra continuer le projet et ajouter ce qu'il a envie dans le projet. Et ça va être drôle, quoi. Je comprends pas, j'ai l'impression de que ça fait trois que je te vois faire les mêmes livres. Ah, oui, c'est normal, hein, c'est normal. C'est juste que ben j'en ai fait trop et j'en ai fait plein et c'est long quoi, c'est tout. C'est. Mais on a presque fini là. Presque. Mais c'est ça, faire un jeu, hein. C'est long. Hein. C'est très très long de faire un jeu. Quand tu veux bien faire les choses. Tu rends fou, fais tes UV avant de dupliquer tes objets. J'avoue. Mais là, c'est pas un problème d'UV. L'UV, il prend un clic à faire. C'est pas ça. C'est que je place mes couleurs, en fait. Du coup, j'ai pas le choix. Puis... Salut GoFlood. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Ça avance. Ouais, ça avance. On est en train de faire une bibliothèque, là. Enfin, on est surtout en train de faire des livres depuis 4 jours, mais. Non, je déconne. Mais pas loin, quoi. Bah, comme d'hab, hein, ça avance toujours aussi vite sur ce stream. Hein, c'est. Vous voulez que je fasse les suivants hors live, comme ça on passe à autre chose. Mais non, mais pilulier, c'est. Mais oui, enfin je vois ce que tu veux dire, mais. Mais c'est qu'il faudrait que je déplace mes UV pour changer de couleur parce que mes livres c'est tous les mêmes en fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais oui, de toute façon, sur ce système-là, sur ces bouquins et tout, sur cette bibliothèque, je m'y suis. J'ai pas fait dans le bon ordre. J'ai pas fait les choses comme il fallait. On est d'accord. Mais là, j'avais pas trop le choix, quoi. Je ferai les autres hors live. On va passer à autre chose.
Donc j'exporte tout ça, il y en a bien assez. Le dernier que j'ai mis, c'est le 5. Finis ça maintenant. T'arrêtes de m'embêter, mais non, c'est bon, t'inquiète. Alors, tout ça, je vais apporter les textures. Non, non, mais ça, je comprends que ça soit chiant et long, quoi. C'est juste. C'est long, hein. C'est super long à faire. Alors, je vais mettre une petite box de collision. Les UV, c'est bon. Toi, tu dégages. Hop. Ça, c'est OK aussi. J'ai du noir ici, c'est pas normal. Ça, c'est le combien? C'est le 8. On va nettoyer le 8 quand même. Ouais, j'ai oublié de. Alors ensuite, on va faire le BP, on va faire la porte qui s'ouvre. Avant ça, on va corriger la taille des UV pour voir si tout va bien. Donc je vais mettre en mode debug lightmap intensity. Et on va voir tous les UV qui sont un peu trop lourds. Sachant que mes bouquins là, je les veux pas aussi détaillés en texture, ils sont trop petits. Donc je vais réduire le line tilt map, on va le mettre à 32. Ça devrait être un peu mieux. On est toujours sur du vert. 32. On va se mettre à 16. En espérant que ce soit pas trop bas. Voilà, là on est sur du bleu. C'est impeccable. Ma table aussi d'ailleurs en passant. Je vais en profiter. Elle est un petit peu trop détaillée. Hop. On n'a pas besoin d'avoir autant de lumière. La petite pile de bouquins, même chose. 32. Encore trop. 16. Ok. Les parchemins, bien trop fins. Donc là, on va se mettre sur du 16 direct, je pense. Je peux baisser encore. Sur du 8. Et là, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces petits bouquins là. 16 aussi. Tu joues toujours Overwatch 2? Ouais, je joue Overwatch, ouais. Ça m'arrive de temps en temps, quoi. C'est pas non plus. Je joue pas beaucoup hein, en ce moment. C'est. On va dire que je suis plutôt occupé, quoi. Entre le défi, le projet Frontières, Goddess qui me prend beaucoup de temps aussi. Enfin. Mettre à 8 plutôt. Aussi. Lui, on va le mettre un poil plus parce qu'il est ouvert, il est très clair, donc il faut qu'il soit un peu plus lumineux. Donc c'est très bien comme ça. Toc, celui-ci aussi.
Peut-être un peu abusé là, non? Non, ça va. Ok, mais là on est bien. Mes escaliers, ils sont pas finis. De toute façon, j'ai pas fait les loads, mais bon, on va quand même le mettre à 16 pour l'instant, plutôt 32. Et ça aussi. Même un peu plus. Voilà, comme ça on a quelque chose d'à peu près de bien correct. Et on est parti donc pour faire le BP de l'étagère qui se déplace. Tu vas faire des LOD pour ton jeu? Pas du tout, non, il n'y a aucun intérêt vu qu'on a une vue d'au-dessus, donc qu'est-ce que tu veux que ça m'apporte? En plus, j'instancifie tout mon donjon. Je vois que deux pièces, que deux pièces. En fait, quand je suis dans une pièce, toutes les autres pièces s'effacent, se déchargent de la mémoire. Donc, les LOD sont pas utiles. Surtout que maintenant, on a Nanite aussi en plus, que j'utilise pas parce que j'ai pas besoin non plus. Ouais, c'est Godess. Géo 2D E2S. Alors, je vais aller chercher mes BP de donjon, donc ma porte, mon master door, je vais créer une instance. Donc un child. On va l'appeler donc bibliothèque door. Donc toi, on va te mettre par là. Je vais remplacer ça. On va la mettre directement en place. Comme ceci. Et on va faire le BP. Je vais mettre un peu plus de lighting ici, histoire de bien voir ce qu'on fait. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Et on est parti. Alors, dans mon BP. Tu viens de dire, j'ai pas encore fait les LOD pour mon escalier. C'est pour ça que je comprenais pas. Alors, ouais, enfin, il n'y a qu'un LOD en fait. T'as forcément un seul LOD, mais j'en ai pas plusieurs. J'ai qu'un UV, si tu veux. Enfin, je simplifie pas mes mèches sur la distance, mais ce que j'appelle load, effectivement, c'est la taille de mon load 0, si tu veux. Mais j'en ai qu'un, quoi. Alors, donc ici, je vais mettre. Donc, ce qui va bouger. Alors, le truc, c'est que je fais bouger. J'ai mon scène rotate ici, qui va se déplacer. Est-ce que j'ai un event? Ouais, j'ai obligé d'en mettre deux. D'accord. Donc on va faire une sorte de. On va juste mettre un bouquin là. Un bouquin particulier. Donc on va utiliser celui-ci. Comme ça, il se verra bien. Alors par contre, il faut que je le mette ici. Toc. Je vais virer donc tout ça. Que non, je peux le garder ça. Ouais, je vais le garder. Non, ça je vais le virer. Comme ceci. Je vais le virer dans le construct. Est-ce que j'utilise dans le master? Ah, si, j'utilise pour ça, c'est vrai. Oh. Donc, je vais
être obligé de faire ça, de le positionner donc à 0. Comme ça je serai tranquille. On va réduire la taille par contre. À 50. Comme ceci. Et par contre, il faut que j'enlève le canal. Ah oui, je l'édite après. Ok. Donc ça c'est bon. Le master door c'est bon. Donc là je vais avoir un bouquin comme ça. Ce bouquin, il va avoir une couleur, bien sûr. Donc on va faire ça de quelle couleur? Il faudrait que ça soit quelque chose qui soit visible. Qui se différencie un petit peu des autres. Le Golden Book, ouais. Je ferai un matériel un peu différent dessus, je pense. Je vais le texturer, je vais essayer de le texturer correctement. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ok. Et on va faire donc une autre bibliothèque. Donc je vais redupliquer, faire un enfant ici, qu'on va appeler bibliothèque d'or. Voilà. Et donc celle-ci, je vais aussi la mettre là. Donc on aura deux parties. Donc elle va avoir ça comme ça. On va chercher donc le mesh d'étagère, comme ceci. Et je vais devoir l'avancer un petit peu. Alors dans l'autre sens par contre. Ceci. Pas mal de musique. Ok, ça marche. Les émulations des persos, tu les as faites toi-même pour ce projet? Ouais, j'ai tout fait moi-même, ouais. Donc le bouquin, on va le mettre dedans. On va le caser un petit peu à l'intérieur. Genre par là, là. Ça pourrait être aléatoire. Il faut que je trouve le moyen de le rendre aléatoire. Faudrait que je me fasse une petite config. Le truc, c'est est-ce que je le fais là? Ou est-ce que je le fais là? Je vais avoir de la déco, on va en avoir plusieurs en fait. Ouais, on va faire comme ça. Donc il me faut des bouquins. Il me faut ça. Donc là on va positionner tout ça. Comme ceci. Je vais le dupliquer lui. Et on va le changer après. Merde.
148. Alors toi, tu vas te décaler un tout petit peu. Comme ça. Toi, un petit peu comme ça. Et toi, comme ça. Ok. Ensuite, je vais remplacer mes mèches donc par des bouquins. Alors, un peu de bouquins ici. Il me semblait que j'avais deux versions de. J'avais ça. Imaginons que j'ai ma porte ici comme ça. Le tout, c'est que ça se voit. C'est un exemple. Ensuite, on va apporter un peu de couleur. Je vais pomper les couleurs qu'on a en bas. Et je ferai des variations dynamiquement. En fait, on va le. Je le coderai ça directement. Okay. Je pense que ça sort assez de. On le voit bien quand même. Et le but en fait, c'est que ça puisse interagir avec. Avec cette porte-là. Donc, le bouquin, lui, le mouvement qu'il va faire. Ça va être une rotation sur Y comme ça, à 25 degrés, ça suffit. Donc sur Y à 25 degrés. Et elle, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va avoir des rails. Rail que j'ai mis ici. Comme ceci. On va les avancer à 100. Et le mouvement donc de ce meuble, il faudrait qu'il soit à. À moins de 100. Alors par contre, comment j'ai codé mon truc? Parce qu'il va, il va me le ramener à 0, je pense. Donc 100. Moins 200. Moins 100 du coup. Non, moins 200. Ouais. Moins 300. Et du coup, il faut juste que j'avance ça, quoi. Donc là, le mesh rotating, on va le remettre à 0. C'est pour ça que j'avais fait un scene route d'ailleurs. Donc ça, ça va à 100. Comme ça. Voilà. Et ma box, du coup, j'aurais pu le mettre dans le scene. Ça aurait été plus simple. Je vais mettre à 100 aussi. Ok, on va tester, on va voir si ça marche. J'ai pas géré la vitesse et tout, mais. Par contre, à cause de toi, on a l'impression que c'est ultra simple, UE. Mais en vrai, bon, c'est facile, UE. Il n'y a pas de. Ah, par contre, faut pas qu'elle s'illumine. Faut pas que ça s'illumine ici, ça va pas du tout, ça. Oh, j'ai encore une rotation, d'ailleurs, en passant pas mal. Alors.
Ah, du coup, dans mon... Donc ça, faut que je la supprime, simplement. Et pourquoi j'ai une rotation? Parce que j'ai laissé ici. Ok. Et mon bouquin, j'ai vu qu'il tournait sur Y. C'est très curieux. Il est censé tourner comme ça. Ah, parce que j'ai toujours 90 ici. C'est quoi ce base mesh rotation? Je sais même plus ce que j'ai codé, il faudrait que je re-regarde. Encore un truc que j'ai fait en live. En général, t'es en train de faire un passage secret. Ouais. Ah, oh génial, t'es. Oui, je suis en train de faire un petit passage secret. Par contre. Aïe. C'est pas ce que je voulais. Promis, c'est pas ce que je voulais. J'ai inversé les rotations. Donc 300. On va mettre ça en 2 secondes. Et le bouquin. Donc 25. On n'est pas en two size. Ça non plus, d'ailleurs, en passant. Ah, c'est pour ça que ça m'a inversé le truc. Donc c'est bien moins 300. Moins 25. Et par contre, pourquoi j'ai eu ma box d'illuminé? Me semble que j'avais codé un truc exprès. Ah oui, voilà. Je peux désactiver mon outline ici. Normalement, ça devrait être OK. En vrai, ce serait trop bien comme piège, ça. Genre, la bibliothèque qui t'écrase si t'as mal résolu une énigme. Pourquoi pas? Eh, c'est pas con, ça crée une énigme de tirage de bouquin. Donc là, on a le bouquin qui s'illumine, là, si on s'approche. Je vais réduire la box de... Faut vraiment se coller au truc, je pense, pour le faire. Et donc, on aura le mur qui s'ouvre tranquillement, comme ça. Il faudrait que le bouquin suive, par contre, la bibliothèque, quoi. Alors, c'est Julie qui rouvre la porte, là. Hop. On y est presque. On y est presque, on y est presque. Mais c'est plutôt sympa comme truc. Au revoir, Julie. Ok. Donc, maintenant, on va mettre le bouquin dans le mur. Sauf qu'il va pas bouger du coup. Donc ça c'est un truc que j'ai pas prévu, que j'ai pas codé du coup. Alors j'hésite. Soit je donne la possibilité. T'aimes bien, Seb? Soit on code un nouveau système avec une sorte d'énigme pour la porte, ou alors je code juste le mouvement du livre sur la de la même manière que la porte, tout simplement. J'ai pas besoin de m'embêter. On va faire ça. Donc la porte a fait 300 en arrière, donc le bouquin il va faire 300 en arrière aussi, tout simplement. Sur 2 secondes. Et là on devrait être bon. En fait, je veux avoir une seule classe pour tous les systèmes de mouvement qu'il y aura dans les donjons. Je veux tout prévoir, en fait. Donc là, on est bon, quoi. Par contre, il revient pas. Hein. Ah, parce que je clique sur la porte et la porte, elle doit pas. Elle doit être lock, la porte. Hop. Voilà. Et là, ça devrait être OK. Du coup, c'est verrouillé vu que l'interrupteur est allumé. Ouais, parce qu'il faut que je me mette ici pour. Parce que la box. Ah, ça va être chiant ça. La box doit être.
Faut que je revoie un peu ma copie là, sur mon système. Parce que la box reste ici, du coup je peux pas interagir si je suis pas dans la box. Dans ce cas-là, dans mon master, on va faire une légère petite différence. Oh, le plantage de Unreal, pas mal. Joli ça. Pas mal du tout. Ça faisait longtemps, tiens. Faut un délai entre la rotation du livre et la translation de tout. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, je l'ai pas prévu dans ma classe principale. Alors, soit, en fait, je suis en train de réfléchir, soit je crée une nouvelle classe, ou soit je combine tout le code ensemble. Je peux rajouter juste un petit délai. J'hésite. J'ai une question sur ta génération de donjons. Tu peux avoir des cycles dans ton niveau. Qu'est-ce que tu appelles des cycles? Et puis, si c'est intéressant et que je l'ai pas fait, on le fera. Mais ouais, qu'est-ce que tu appelles des cycles du coup, Banque? Ouais, je peux faire des boucles, je peux tout faire, ouais. La seule chose, c'est que techniquement, enfin, la boucle. Ça te limite énormément en termes de possibilités dans ton donjon. C'est un peu chiant. Et du coup, ça prend plus de ressources parce qu'il faut que tu fasses plus de tests que sur un donjon sans boucle. Mais par contre, ça fonctionne. C'est juste que le temps de chargement de la map, de la génération du donjon sera un poil plus long, quoi. Mais ça fonctionne bien, ouais. On avait testé l'autre jour, dans les débuts. Du coup, j'hésite. Est-ce que je me fais ça ou pas? Alors ça, c'est évident qu'il faut que ça soit là, de toute manière. Est-ce que je fais ça ou pas? Parce que j'aimerais bien apporter un petit délai aussi, mais ouais, je peux le coder en plus, ça, c'est pas très lourd ça. Ouais, mais vu que la box tourne, du coup, enfin, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Et en plus, c'est verrouillé. Pourquoi elle est verrouillée, ma porte? On va refaire un BP. Parce que avoir deux acteurs pour faire une porte, c'est. C'est pas fou non plus, quoi. Allez, je supprime tout ça. Et on est parti. Comme ça, on va faire un système d'énigmes en même temps, avec plusieurs bouquins. Et on fera un système d'aléatoire, en fait, dans le système de position des bouquins. Salut Danou! Comment ça va, mon grand? Ça fait un petit moment. Alors, on est parti. Donc, on va partir sur une classe d'acteurs qu'on va appeler donc BP Master Énigme d'or. Que je vais positionner donc ici. Et donc là-dedans, on va avoir pour commencer un mesh. Un mesh qui va bouger. Donc on va mettre un scène route. On va appeler donc movement scène. Ok, tout ce qui sera dedans donc va bouger, tout simplement. Dedans, je vais rajouter mon mesh donc d'étagère. Que je vais donc déplacer
à 100. Comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on va voir un bouton. Donc il va bouger avec avec la scène route. Donc il me faut un bouquin. Et je vais mettre une scène plutôt directement là-dedans. Et on va l'appeler donc interrupteur scène. Donc je vais mettre mon bouquin à l'intérieur. Est-ce qu'on se met 2-3 bouquins? On va faire une énigme à... On va faire un tableau. On va faire un petit tableau. Dans le construct. Et donc on va ajouter, on va créer des static mesh. En fonction du nombre de tableaux, donc je vais utiliser ma. J'ai une structure normalement pour des static mesh avec des coordonnées. Je vais aller vérifier ça. Donc structure. Mesh composante. Alors passons. Ça non plus. On va créer une nouvelle structure. Donc blueprint structure, on va appeler ça donc ST add static mesh. Dedans, je vais avoir donc un static mesh. Static mesh composante. Comme ceci. On va avoir donc un transform relative. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va mettre. Ok. Dans ma porte énigme, on va rajouter une structure donc qu'on va appeler interrupteur et on va utiliser donc la structure add static mesh. On va faire un tableau. Donc en fonction du nombre, donc ça va être éditable. En fonction de ça, on va faire une loop dans notre tableau ici. On va break donc cette partie-là. Et on va ajouter donc les static mesh en fonction du relatif. Et on va set donc le static mesh en fonction de ça. Objet référence. Plein. Et hop là. Alors, ici, donc je vais retirer. On va custom la collision. Je vais tout retirer. Je vais juste laisser le interact et le visible. Ok. Et on va ajouter, on va attacher donc notre static mesh. Attache component, tout component, voilà.
directement à notre interrupteur scène. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour qu'il suive en fait le mouvement du mur quand il est en train de se déplacer. On va rester en relative, on est bon. Je vais ajouter donc un interrupteur dans notre tableau là ici. Ce qu'il me faut donc c'est le bouquin. Je vais lui mettre une petite hauteur à 200 là pour voir, pour tester. Et donc le bouquin est bien ici à 200. Ok, impeccable. C'est peut-être un peu trop. Je vais peut-être faire apparaître les gizmos. Ce serait pas mal. 3D widget. Entrée. Comme ça, on va pouvoir éditer directement le placement du bouquin dans la scène. Ce sera beaucoup plus simple. Sauf que là, ça va l'éditer que sur l'instance. En fait, ça va pas l'éditer là-dedans. Mais comme ça va me permettre de regarder où est-ce que je place le bouquin. Donc si je le mets par là, par exemple, ou par ici. Il sera à 102, 25, 75. 75, 25, 102. Donc, 75, 25, 102. J'ai cru voir une rotation. Non, c'est bon. Ok, donc là, on est bon. Ensuite, on va vérifier s'il y a bien un hit de ça. Donc, on va ajouter une interface à notre acteur, interface qui va s'appeler Interact. On va voir si on interact. Toc. Voilà, donc on interacte bien, c'est bon, on est OK. On a le petit hello en haut. Maintenant, faudrait que je sache quel objet j'interacte du coup. Donc, faudrait une interface un peu plus complexe qui me donne l'acteur. Parce que là, j'avais mis quoi en honneur? C'est le player qui touche, hein, je crois. Je vais vérifier ça. Défi terminé pour moi, je ne pourrais pas faire plus pour le moment, je me suis bien amusé à le faire, ce petit défi. Mon système de drone n'est pas parfait, je compte l'améliorer à l'avenir. C'est vrai, Davdoudou? C'est cool si tu comptes l'améliorer, c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va plaire. T'as réussi à mettre des trucs un peu... quelque chose d'un peu... comment dire... D'un peu original ou t'as fait un truc classique? Je crois que t'as dit que tu faisais contrôler le drone, hein, c'est ça. Hein. Ouais, faut que je fasse une interface plus complexe. Fais chier, fais chier. On va aller donc dans... Dans mon HeroQuest. Non, c'est dans mon contrôleur que je fais ça. Donc Player Controller Quest. Dans mes inputs. Et dans Interact. Et là, j'envoie en fait directement l'ability. Alors. Qu'est-ce que j'envoie comme info? Ah, j'ai l'honneur ici. On va juste rajouter à l'interface le component active
Composante. Donc là, ça va être juste un composante. Je pense pas qu'il y ait composante tout simple. On va tester avec ça, on va voir si ça marche. Dans mon interact, donc il faut qu'on récupère. Est-ce que j'ai mon hit, moi? Je mise tout sur le blueprint. Ouais, t'inquiète pas. Franchement, ouais, j'ai hâte de voir moi aussi. Ouais. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il nous a préparé. Où est-ce que j'ai fait ça, moi? Set actor, route. Donc ça, c'est que si je détecte un truc. Donc ça doit être le trace interact qui est ici. Il faudrait que je renvoie. Ah, j'ai l'actor read qui est là. Donc je peux directement l'envoyer au target. Et c'est un target à la porte. Sauf que là je prends l'actor hit. Donc il faudrait que je sorte l'actor composante. Donc forcément, je vais l'enregistrer en local variable. On va l'appeler current component hit. Je vais l'ajouter ici. Et je vais le sortir ici. Cela. Ensuite, mon interface c'est bon, ça j'ai ma sortie ici, donc on va l'amener directement là. Est-ce que j'en ai d'autres des interacts là? Et donc, il faut que je l'envoie ici aussi. D'ailleurs, je vais inverser les deux là. Toc. Salut Smile. Rien de transcendant, on dira, c'est un début. Mais franchement, même si c'est un début, connaissant un petit peu, bah tu débutes, hein, donc j'ai vraiment hâte de voir comment t'as appris, comment t'as évolué en fait depuis la dernière fois que t'étais sur Discord. Et ouais, non, je sais pas, j'ai vraiment envie de voir quoi. Ça me fait plaisir en fait que t'aies fait le défi et que tu aies tenté, c'est super, vraiment c'est super quoi. Donc tout ça c'est ok. Donc maintenant dans ma porte j'ai mon active component. Il va falloir qu'on cherche donc dans notre liste d'interrupteurs ici. Quel acteur? On va faire un loop break. On va voir si on a le component déjà. Pour moi ça veut dire regarde Pokled, ce qu'il nous a sorti au premier défi. Eh oui. Mastering door, c'est bon, on a bien le component qui dégage, qui sort, c'est super. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais break ça.
Et ce qu'on veut, c'est récupérer donc ça. Donc si on trouve le même composant, on récupère l'index et on voit ce qu'on fait en fonction de l'index. Comment on va coder ça? Il faudrait un ordre. Du coup, dans ma structure, je vais l'appeler autrement. On va faire une structure spéciale, donc énigme. Et on va l'appeler donc ST énigme mesh. Et dans cette structure, on va avoir un ordre. Order. Intégral. Ok. On va le mettre en premier. À l'intérieur de notre porte, on va avoir un index order. Comme ceci. Et donc si ça est égal à ça, on va faire un petit print pour l'instant. D'ailleurs, je vais faire une petite séquence. On va fermer le break ici. Ok. C'est qui a donné l'idée de faire des énigmes là sur les étagères là? Que je le remercie. Bonjour à toutes, à toutes et à tous. Je suis en mode dodo lurk. Je bosse cette nuit, donc je participe pas au chat, mais le cœur y est. Merci beaucoup, Poclad. Merci. Bon courage pour ton taf, surtout. Surtout que là, tu vas enchaîner, là. Cette semaine. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on va incrémenter notre index. Ceci. Et donc, si on est supérieur ou égal, donc là on va récupérer le length, le nombre d'interrupteurs qu'on a ici, si ça est supérieur ou égal à ça, non, forcément supérieur. Attends, length, ça démarre à 1. Donc si j'ai une entrée, ouais, supérieur ou égal, c'est bien ça. On branche et on fait l'ouverture de la porte. Ok. Je vais tester. Donc on va mettre deux bouquins. Donc lui, ça va être l'ordre 1. Et on va le mettre en dessous, on va le mettre à moins 70. Voilà, comme ça on a les deux bouquins. J'ai pas tourné la caméra comme il fallait. Donc, si j'appuie sur celui-là, ah, il s'illumine pas, par contre, il va falloir le coder ça. Si j'appuie sur celui-ci en premier et après sur celui-ci. Ah, j'ai pas de print. Faudrait peut-être que je fasse des petits retours parce que sinon je pourrais pas débugger.
Et on va peut-être faire un système qui illumine aussi. Mais par contre, c'est pareil, sur le outline, il va falloir que je récupère le component, quoi. Ou alors, je ne mets pas de... Je mets pas de outline. Ce sera beaucoup mieux, parce que si on met le outline, ça va être trop facile. On va faire un print ici. On va récupérer donc le order de ça. On va voir ce que ça donne. Julie, tu me gênes. Merci. J'ai aucun print. À mon avis, c'est ça qui va pas là. Oh, c'est mieux. Un zéro, un zéro. Donc on a bien les hits. Sauf qu'on a du false partout là. Ok, donc c'est bien ça qui merde. Donc il faudrait que... En même temps, j'ai... Ouais, non. Le problème, c'est qu'ils ont la même classe, les deux. C'est étonnant, ça. En plus, je suis en false, de toute façon. Ouais, il faudrait que j'aie la référence, en fait, du truc dans le construct. Ok, on va faire comme ça. Peut-être que c'est moi, mais je suis le seul à avoir un volume très faible. Pour la chaîne GoFloud. Dans tous les cas, j'ai monté le son. Il faut pas que je zappe, sinon attention à mes oreilles. Sérieux? C'est étonnant. C'est très étonnant. Ça vous le fait à vous aussi, les gars? Ouais, on va mettre la référence dans le truc. Obligé. Add variable référence mesh référence dedans on va mettre donc static mesh component toi ça le fait pas Monio ok c'est toi de mon côté c'est bon yep ton son est assez faible par rapport à d'autres streamers. Alors après, ça dépend de la location du... Quand tu démarres ton live, en fait, sur Twitch, on t'alloue un socket, un emplacement. Et des fois, t'as des sockets qui sont un peu moins puissants en termes de son, qui ont une moins bonne qualité, etc. Souvent, ça dépend de ça. Après, que j'ai un son plus faible que les autres, au contraire, j'ai plutôt réglé mon son assez fort, donc ce serait étonnant, quoi.
qu'on va faire ça. Et ensuite, je vais prendre mon mesh référence. Comme ceci. Et là, on va voir si ça passe. Toi aussi, Darkwisha? D'accord. Bon, je regarderai au cas où, quand même, ce week-end. False. Allez, c'est un truc de fou, ça. Après, l'autre solution, c'est de référencer les mèches. De toute façon, il faut que je les enregistre. Donc, c'est ouais, j'ai qu'à faire ça, je suis con. Ça, je vais ajouter dans un tableau. Ça. Ensuite, je vais nettoyer mon tableau avant. On va détruire les composantes avant. On va clear le tableau. Ensuite ici, on va get la référence de l'interrupteur ref par rapport à ça. Et on va vérifier si tout est bon là. Est-ce que ça va marcher ça? Depuis le début, c'est comme ça? Ah ouais? Et là, je suis bien en trou. Ok, super. Donc là, ça marche. C'est plus simple. En plus, de toute façon, il fallait que je le fasse. Donc ça, on va l'amener là. Ça, on va l'amener là. On peut faire un truc dans le genre. Toc. Et donc, si je fais dans l'ordre, normalement, on devrait avoir la séquence. On n'aura pas encore le déplacement de la porte, mais on va voir un hello en haut. C'est pas encore bon, visiblement. Zéro. Ah, il trouve pas le deuxième, quoi. Alors, à moins que mon tableau soit zéro ici. Ça ne marcherait pas. Ça fait pas le deuxième, quoi.
Parce qu'en fait, il touche toujours celui du haut, quoi, pas le deuxième. Mais pourquoi? Normalement, il priorise celui qui est le plus proche. Ah, parce qu'il priorise l'acteur et pas le composante. Merde. Oh, ça fait chier. Mon code d'interact est pas un... Il est trop optimisé pour pouvoir faire ça, quoi. Bon, mais je vois qu'une solution. On va faire différemment. Je fais marche arrière. Ou alors je change mon code ici. Juste ça en fait. On va tester. Et voilà, et on a le hello, c'est bon. Impeccable. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est qu'à la place de get la position de l'acteur que je hit, de calculer la distance pour savoir quel acteur est le plus proche, je get directement le composant à l'intérieur. Comme ça, on peut appuyer sur plusieurs composants dans le même acteur. Et on va pouvoir avoir des multi interrupteurs sur un seul acteur. Donc ça va nous permettre de faire le système d'énigmes, tout simplement. Donc là, le problème venait d'ici, depuis tout à l'heure. Donc, merci Dev Doudou. Donc maintenant, je vais faire une variable. On va faire une. On va faire une fonction. En fonction de tout ça. Fonction qu'on va appeler donc. Registre séquence. Ok. Comme ça, j'ai pas besoin de faire mon loop break. On va dégager ça, ça, la séquence aussi. On va faire une loop normale. Je vais amener donc ça ici, dès que ça aura arrêté de bugger. C'est bon. Donc ça ici, et ça ici. Ok. Ensuite. On va faire hit composante comme ceci. Ça, on va l'amener là. On va faire un peu d'espace. Toi, tu dégages. Ça va partir là. Donc si on arrive ici, on va prendre la liste de nos interrupteurs et on va tous les éteindre. Donc on va faire un show outline par rapport à ça. C'est pas des composantes, ça?
curieux. Primitive component objet. Bizarre. Bizarre, bizarre. Donc je vais éteindre mes interrupteurs. Comme ceci. Sinon, on allume en green. On fait notre séquence ici. Et une fois qu'on arrive ici, donc on va faire bouger ce meuble. Donc la le component, le mesh wall. Non, c'est le mouvement scène qu'on va faire bouger. Donc j'hésite entre deux petites choses. Soit je fais un move to. Ouais. Custom event. Start. Movement. On va prendre ça. On va faire un move to component. Ok. Donc là, on va faire du moins 300 par exemple pour tester sur 2 secondes. Une fois qu'on arrive là, on va faire donc un. Je sais plus le nom déjà. Start movement. Voilà. Et on va éteindre pareil tout ça. Il faudra que je verrouille donc la porte. On va tester ça déjà. Donc si j'appuie sur cet interrupteur, ça marche pas. Ça fait rien du tout. Si j'appuie sur celui-ci, bon. Il s'illumine pas par contre. Mais on a bien le mouvement de la porte, c'est impeccable. Par contre, il s'illumine pas. Hein. Pourquoi? C'est curieux ça. On va être obligé de faire une vérif. Bon, je vais faire une vérif alors. Donc on va ajouter une petite variable en local. On va appeler ça exist. Ça va être une booléenne simple. Là on va set donc notre booléenne. On valide. Et ici, on va juste mettre un petit branch. Si elle n'existe pas, on fait ça. On va tester. Donc si je clique ici, il se passe rien. Si je clique là, ça s'allume. Et maintenant, il faut trouver la prochaine séquence, donc ici. Et tout s'éteint. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer en blanc. Et une fois que ça s'est terminé, on va tout illuminer en vert. Là, on va illuminer en blanc. On va éteindre. Je sais pas.
Non, non, on va pas allumer parce qu'après ça va rester allumé tout le temps, ça va être chiant. Donc je vais rester comme j'étais. Ok. On aura des petits sons aussi d'enclenchement. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On a tout ce qu'il faut là, non? Donc dans mon défaut SendRoad, je vais rajouter. Le rail. Et donc on a dit qu'on voulait faire un petit mouvement à chaque fois qu'on bouge le petit interrupteur. Donc dans ce cas-là, dans la structure, on va ajouter une variable qu'on va appeler movement. Et on va mettre un petit transform. Il va nous falloir un temps d'animation. Right. Mouvement. Donc ça en float et de base on va le mettre à 0,5. Voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là. Et donc dans la séquence, on va faire un event. Donc on va faire start movement interrupteur. Comme ceci. Celui-ci movement wall. Ou door plutôt. Toc. Donc je vais copier ça. Sauf que là, on va aller chercher donc par rapport à notre interrupteur référence. On va récupérer la référence, le get, l'index en fait directement ici. Et on va faire bouger donc ce component directement comme ça. On va prendre la liste de nos interrupteurs. On va faire un get aussi par rapport à l'index. On va split tout ça. On va récupérer le mouvement transform. On va break aussi. Et donc je vais apporter la localisation, la rotation. Forcément. Et le rate. Demain, tu nous stream du jeu vidéo? Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à faire ce week-end. Si je veux préparer le projet Frontières et rattraper un petit peu le retard que j'ai cumulé là depuis 2 semaines. Je sais pas, je te garantis pas. On verra. Donc sur les interrupteurs, moi je vais une petite rotation de moins 25 ici, moins 25 ici. Et on va mettre ça sur une seconde. Et du coup, quand je clique sur un des interrupteurs, cette vérif, je vais la faire après le mouvement de l'interrupteur. Donc si ça est supérieur à notre index. Comme ça, on a le mouvement du mur qui se fait après le mouvement de l'interrupteur. Comme ceci.
Bon, je garde la fonction. Donc tout ça, je peux le jarter, ça aussi. Et là, je vais faire le mouvement, par contre, de l'interrupteur. Il me faut la référence, donc, d'ici. Non, il me faut l'index. Et après, je vais là. Je vais pas là. Par contre, là, je viens ici. Il faut que je set absolument l'other à 0 pour remettre à 0 donc la séquence. Comme ceci. Pas ici par contre. Voilà, comme ça annule la séquence. Et ça, on va le dupliquer. On va le faire aussi ici. Je vais essayer d'allumer tant que ça bouge. Et on va l'éteindre quand on complète. Ok. Voilà, on va tester. Je vais rajouter un troisième interrupteur. Histoire de voir si ça annule la séquence. Donc 0, 1 et 2. Et on va le positionner. J'ai un peu de marge? Ouais, j'ai un peu de marge. À moins 140. Voir si ça marche. C'est parti. Donc l'ordre, c'est celui-ci, après celui-ci, après celui-ci. Si je prends celui-ci, où la rotation par contre elle est à 0, donc il faut que je fasse gaffe. Je prends celui-ci, ça annule tout. Par contre, ça ramène pas l'acteur. Donc pareil. L'interrupteur, il faut qu'il ait. Il faut que je fasse donc ça. Quel bordel! Donc ça plus ça. Et ça. Plus ça. On va faire un delta. De ça. Ok. Et donc si ça annule, il faudrait que je ramène les objets, les interrupteurs qui. Donc on va faire un custom event. Restore. Séquence. Donc là, on va set l'index à 0. On va prendre la liste de nos interrupteurs. Faut penser à tout, c'est horrible. On va refaire un move to. On va prendre ça et ça. Le contrôle D qui marche jamais. On va prendre l'index de ça. Je vais ramener donc ici et ici. Ça, j'en ai pas besoin. Et la vitesse, on va la ramener à deux fois plus vite. Donc multiplié par 0,5. Comme ceci. Ok. Et ensuite, on va en même temps faire ça.
Donc ça en rouge. Et à la fin, on désactive. Ok. Et après donc, faut que j'amène mon restore séquence à partir de là. On va tester. Il se passe des choses bizarres là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors le problème, c'est que la rotation, elle est faite depuis le... Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être chiant. Non, pourtant c'est ça. En même temps, si je fais un add... Ouais non, ça va pas, faut pas que je fasse ça, moi. Donc on va virer ça, ça. Ce sera mieux comme ça. Salut mec. Ça va mon grand? Donc je vais copier ça. On va l'appliquer au mouvement. Je fais quoi de beau? Je suis en train de faire une bibliothèque qui s'ouvre avec une séquence de bouquins. Voilà. Donc j'appuie sur celui-ci, ok. J'appuie sur celui-ci, ok. J'appuie sur celui-ci. Pouf, on a le mur qui s'ouvre. Et voilà. Et on va ramener donc les bouquins comme c'était. Et par contre, si on loupe la séquence. C'est pas mon idée. Si je joue celle-là et celle-là, pouf. Par contre, on a le truc qui part en live, quoi. Et alors ça, pourquoi? Le restore. Ça, c'est curieux, par contre. Ah, j'ai pas le target aussi, donc forcément ça doit aider. Comment on fait pour trouver la séquence des livres? Ah bah tu te démerdes. Tu te démerdes, je sais pas, faudrait qu'on trouve, peut-être mettre des indices ou un truc comme ça. On va voir. Comment je vais faire par contre? C'est mon mouvement, il est bizarre là, pourquoi il est si bizarre? Ah mais oui, je peux faire qu'un mouvement composante en fait à la fois. Donc ça peut pas marcher quoi. Faut que je fasse une timeline, hein, j'ai pas le choix. Faut que je fasse une timeline. Je vais en faire une pour tout d'ailleurs en passant. Et on va faire un lerp. J'aime pas les timelines mais... Enfin c'est pas la timeline que j'aime pas, c'est le... Le set acteur location rotation. C'est pas grave. Alors. Donc on va appeler ça move time. On va le mettre par ici. Dessus, on va faire une petite alpha dynamique. Quoi qu'on peut gérer le rate de notre
Ouais, on va faire une alpha. Une alpha sur 1. Donc on va partir de 0. 1. Je vais faire un petit mouvement smooth. Comme ça. Et on va faire donc un... J'hésite. On va faire ça. Ouais, non, faut pas que je fasse ça. Je vais récupérer les index ici. On va faire ça. On va faire ça. Du coup, je vais mettre ça là. Ouais, mais si je clique sur plein de trucs en même temps, oh putain, quelle galère. Pourquoi je m'emmerde à faire un mouvement après tout? Sur une timeline? Ça se verra même pas. Ouais, ça se voit. La musique est un peu forte. Ok, ça marche. Plusieurs fois par jour. Mets à jour ton pilote graphique là. Ça vient forcément de là. Je vais arrêter ça. On va virer ça. Ça. On va juste faire un set. Transform. Relative. Parce que si je passe sur un code un peu plus lourd, c'est ça va pas me plaire. Comme ça. On va faire ça. T'as le studio? Je pensais aussi que ça venait de là, mais c'est à jour. Ah, c'est bizarre, hein? Alors surtout, si vous avez le GeForce Experience, virez-le. Hein. L'utilisez surtout pas, cette merde. En passant. Je vais virer ça d'ici. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon mouvement de mur, on est ok. Donc je fais pas de l'herbe.
On va voir si ça marche. Donc là c'est ok, là ça annule tout. Là c'est ok, là c'est ok, là c'est ok. Par contre mon bouquin a... Ouais, il a bougé, mais alors c'est hyper léger, hein. Ok. J'ai dégagé l'implémentation IG et les enregistrements partie tout ça. Alors ton bug c'est GPU crash or direct device remove. J'ai envie de te dire mets à jour DirectX, mais ça me paraît bizarre. T'as pas installé un jeu il y a pas longtemps? T'aurais pas installé un jeu? Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est avoir une grande bibliothèque, quoi. On va faire une grande, grande bibliothèque. Déjà, je vais finir celle-là avec juste un seul bouton. On va la laisser de base. Donc je vais virer les... Les deux bouquins. On va mettre d'autres bouquins à la place. Okay. Donc même chose que tout à l'heure, je vais dupliquer ça. Okay. Je vais dupliquer tout ça là. 5. Comme ça. Ensuite, je vais prendre comme ça. Je vais tester tout ça. Merci GoFlood. Ouais, désolé, sans. Sans avoir plus de détails, c'est pas évident de t'aider, mais je t'avoue que ça doit être un peu chiant, quoi. Alors, le bouquin, on va le mettre un peu plus loin. Il faut que ce soit un minimum discret quand même. 31, 40, 45, 40. Je vais mettre d'autres bouquins à côté.
Sauf que là, peut-être pas mettre ceux-là, il m'en faudrait deux ou trois max. On va mettre ceux-là. Là, ça peut pas être plus discret, quoi. Alors, par contre, il me faut les primitives data de la couleur. Donc, on va ajouter ça là-dedans. Va appeler ça primitive. Est-ce que j'ai pas une fonction pour ça? Une structure? Donc les primitives, c'est quoi? C'est des. C'est un vecteur, hein, de toute façon. Bon ben, on va mettre des vecteurs. Hein. Ou alors je fais directement en colon. Comme ça on s'embête pas. Et j'ajoute les 4 canaux ici. Donc on va avoir un canal rouge. Canal vert. Canal bleu. Ensuite, l'interrupteur. Ok. Donc, dans mon construct, on va set les primitives data du mesh. Set paramètres ou primitives. Vecteur V4. Donc là, on va s'amuser. Ça va démarrer à 0, 4, 8 et 12. Hop. Bon oui, Katou, je prends la route pour Panama. D'accord. Pour Panama. Ah oui, rien à voir. Portez-vous bien. Retour mardi. Merci pour le stream, Flooda. Merci, Ruby. T'es dans la région parisienne, toi. Ok, ça marche. Pour Panama, quoi. Ok, donc il va falloir mes primitives data qu'on va récupérer ici. Mon mouvement, je m'en moque. Là, on va get les refs. Alors, par contre, il va falloir transférer. Donc, j'ai un truc qui converte. Converte to linear color. Voilà. Il me semble que j'avais fait un convert dans mes fonctions. Comment je l'ai appelé? RGB matériel from index. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh, je l'ai fait directement là. Hey. Putain, j'ai été intelligent ce jour-là. RGB matériel, ok. Alors j'en ai fait deux. RGB for index. Et celui-ci se comporte comment déjà? Donc il récupère la liste des matériaux.
Des matériaux? Non, mais c'est pas la primitive data, ça. Enfin, index. Matériel instance. Oula, non, 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 je veux pas utiliser ça, moi. Par contre, je suis persuadé d'avoir fait un truc qui me permet de changer les couleurs. Eh ben si je l'ai pas fait, je vais le faire. Chien. Sinon je fais ça, je m'embête pas. Franchement, je pourrais faire cette fonction là. On va la faire. Alors. Donc nouvelle fonction RGB primitive custom. Dedans, donc on va voir ça, il nous faut l'index, le target, donc le mesh component. Comme ceci, get mesh component. Ça. Ensuite, il me faut la liste donc des linear color ou color tout simplement. Donc là, ça va être canal red, green, blue et gray. On va break ici. On va se mettre en linear color plutôt. Ah, c'est mieux. Ça. Tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Alors, je me permets de faire ça parce que tous mes matériaux, j'en ai qu'un, quoi. Donc, ils fonctionnent toujours de la même manière. Donc, ça, si je fais une fonction qui gère toujours les mêmes index, je suis bien, quoi. Ça va me faire gagner pas mal de temps sur la suite du développement, c'est plutôt cool. Surtout sur la génération de donjons avec les thématiques de donjons qui vont être automatiques et qui vont être calées sur la seed de la quête. Donc là, non, c'est OK. Ensuite, ici, je vais effacer tout ça.
Là, je vais faire RGB. Primitive. Et donc, je vais pouvoir amener tous les... les 4 index. Oui, ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. Linéaire, linéaire, linéaire. Ah putain, quel con. Je suis pas en linear color dans mon truc. Voilà, c'est mieux. Ça. 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 Comme ça. Et par contre, à chaque entrée, j'aurai besoin de ça, quoi. Tout ça pour une petite porte. Bon, là, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour la rendre complètement modulaire. Hein. Ce sera pas qu'une étagère de bibliothèque. Ça pourrait être plein d'autres systèmes d'énigmes, en fait. Alors, lui de base, il sera en rouge. On va mettre un rouge comme ça, tiens. Vert. Bleu. Et noir, donc là on est bon. Juste mettre un petit peu de vert ici et de bleu ici. Ok. Ensuite, je vais set donc. C'est le moment de dire cela est pas bon, tu aurais pu utiliser un tableau de vecteurs.
Bah, j'utilise déjà un tableau, mais en fait, ce que je veux faire, c'est réinitialiser mes couleurs parce que les primitive data sont black d'origine en fait. Et tu peux pas leur donner une valeur par défaut. C'est forcément black. Donc là, que j'utilise un tableau ou pas, en fait, le problème, c'est que j'ai plusieurs interrupteurs. Donc je suis obligé de les réinitialiser. Mais je peux le faire en loop, effectivement. C'est ce que je vais faire ici, quoi. Et du coup, je vais virer ça et le mettre correctement. Mais bon, peu importe. Du coup. On va plutôt faire ça directement. Ah, le problème c'est que maintenant il n'y a que 4, maximum 4 primitives. De toute façon. Je vais faire un switch. En fait, ça sert à rien que je fasse un tableau, ce sera pareil. Je sais, MyCast. Salut Néclan! Tu te doutes bien que si je pouvais faire un tableau, je ferais un tableau là. Ok. Et alors du coup, j'étais en train de faire quoi? Je sais même plus. Ah oui, j'étais en train d'enregistrer les couleurs directement dans ma structure. Parce que j'ai perdu le fil entre-temps. Et du coup, ma structure a s'est vidée ici, forcément. Donc, rouge. Vert. Bleu. Alors, donc là, je vais partir sur les mêmes couleurs donc qu'on a là-dedans. Pareil pour ici. Je vais prendre donc cette couleur, je vais l'appliquer ici. C'est un peu long à mettre en place, mais après quand ce sera fait, ça ira. Donc le bouquin il est ici. Il est vachement discret, on va lui donner une autre petite couleur quand même. Faut qu'il ressorte un peu. Je suis en train de penser, mais quand tu cliques sur des livres, tu as un outline de tes livres Unreal. Donc fais la fonction pour le faire, il existe pas un nœud pour l'utiliser dans les progger. Rien compris.
Quand tu cliques sur des livres, tu as une outline de tes livres. Unreal a donc fait la fonction pour le faire. Ben non, je l'ai créé. Non, il n'y a pas de nœud, faut que tu la crées. C'est une outline, quoi. Enfin voilà, c'est pas de base, quoi. L'éclaircissement, il se voit pas trop, hein. Comme si j'avais pas d'éclaircissement là-dedans. Curieux, ça. C'est le vert qui est comme ça. Ok. Donc c'est là que ça va pas. Non, c'est même pas là que ça va pas. Faut que je revoie ce matériel-là. Ce matériel, ce mesh. Cela est fou. Dès que j'écris un truc, plus personne ne comprend. Heureusement que j'ai l'oral. On me comprend légèrement mieux. Oui, tu m'étonnerais. Merci, Branck. Merci beaucoup. J'ai un peu galéré quand même, Branca. Salut, Guido. Salut à toi. Voilà, donc de base on a une colonne qui fonctionne juste avec en cliquant sur le bouquin qui est un peu différent. Donc là, si je clique dessus, pouf, on a la porte qui s'ouvre tranquillement. Donc on va désactiver par contre le système après. J'ai un doute. Oui, ok. Ok, je m'en souviendrai, ça marche. Si je dis Godot à chaque fois, oui, c'est vrai que. Alors pour désactiver ça, on va retirer On va retirer l'interact du. Ouais, on va faire ça. Donc, le mouvement de la porte, ici. Donc, je vais prendre la référence de tous mes interrupteurs qui est là. Je vais faire un get. On va faire set collision. Réponse. Réponse to channel. Interact ignore. On va virer ça, on va mettre ça directement là. Comme ceci. Comme ça, on ne peut plus cliquer sur les interrupteurs. Et on est bien. Je vais désactiver le tick de mon meuble. Puis voilà. Alors du coup, t'as un doute encore ou pas? Par contre, mon mouvement, vu que je l'ai déplacé, je l'ai pas mis, je les ai pas ordonnés. Donc là, je suis à 75, 40, 102. Voilà, ce sera mieux. Voilà, et maintenant, on peut personnaliser tout ça, quoi. Donc là, ce meuble, par contre, je veux un truc plus véloce. Donc, on va virer tous ces meubles. Dedans, je vais ajouter. Sans en faire des merdes quand même. Je vais rajouter un meuble là-dedans.
ceci. Je vais dupliquer ça et le mettre ici. Quoique je peux rester en 50, pas besoin de m'embêter. Ah oui, mais ça, c'est à l'intérieur du. Faut que je vérifie un truc là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oups. Ou est-ce que je me fais un acteur plutôt directement? Comme ça, je le garde et je peux. Ouais, non. Donc, je vais prendre. Ça. Je vais rajouter là-dedans. Est-ce qu'il est passé? Saloperie. En même temps, je suis con, j'ai pas besoin de m'embêter comme ça. Je suis vraiment débile. Je vais mettre ma bibliothèque là. Je vais copier donc cette bibliothèque. Puis celle-ci. Je vais les amener là. Et dans ma bibliothèque ici, je vais avoir donc un interrupteur de plus. Order 1. Donc il me faut un bouquin. On va le mettre. Là-haut. Par ici, là. Ok. Mouvement moins 25. On va en mettre un troisième. Donc séquence 0, lui, et le premier, ça va être la séquence 1, 2. Donc lui, ça va être aussi ça. Donc on le mettra à 75. 150.
On va le mettre par là-bas, quoi. C'est beau toute cette culture, tu m'étonnes. La musique, tu veux dire? Sur un projet de base en tierce personne, il y a moyen de comment autre que le player start et utiliser le bébé tierce personne comme start player start. Alors attends. Alors, j'essaie de comprendre ce que tu essaies de faire, Anthrax. Sur un projet de base, donc tierce personne, il y a moyen de comment autre que le player start. Faites un effort, quoi. Commencez par comment. Ou c'est moi qui dois faire un effort. Il y a moyen de commencer autre que player start et utiliser un BP tierce personne comme player start. Alors tu veux utiliser autre chose que le tierce personne, c'est ça que tu veux faire? Je comprends pas. Ça se voit, ouais. Tu veux, parce que là, en fait, dans ton. Quand tu crées un projet de base, quand tu vas en haut ici, là, tu as le game mode que tu utilises. Et tu peux l'éditer ici. Et dans ton game mode, donc le game mode de base de Unreal, tu as tes classes par défaut ici, c'est là que tu as ton source person en fait. Donc si tu as une autre classe que le source person, tu peux le changer ici, là, tout simplement, sous mon écran. Et salut Monsieur Paul! Ouais, la forme, ouais. La forme du vendredi, quoi. Donc oui, tu peux tout changer. Tu peux tout faire, de toute façon, sur Unreal. Il y a toujours un moyen de. Ça ici. Tac. Ça ici. Ça, je vais le remplacer par ça. Là, je vais mettre ça. Ça ici. Et notre bouquin, donc. Donc ça, je vais le décaler d'un tout petit cran. Et ce bouquin, je vais le mettre par ici. Voilà. Et alors au niveau des couleurs, on va pomper les couleurs d'ici et les mettre ici. Voilà, comme ça on a les bouquins de couleurs. Par contre, ouais, tu veux bien te décaler s'il te plaît, toi? Merci. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc, je vais rajouter quand même une petite étagère ici. Je vais même l'inverser, elle, tiens. Comme ça. Voilà. Et là, on a notre système de code de bibliothèque qui est fonctionnel. Donc, si j'appuie sur ce bouquin, ça ne fait absolument rien parce que c'est pas le bon bouquin en fait. Et on voit pas qu'on peut cliquer dessus. Par contre, si j'appuie sur celui-là, ah merde, j'ai pas mis les rotations. Alors attendez, j'ai été un peu vite. Donc, copier ça, coller ça, copier ça, coller ça. Voilà, là c'est bon. On est reparti. Donc je clique sur ce bouquin. Si je clique sur celui-ci, pouf, ça annule tout. Si je trouve la bonne séquence, je trouve ce bouquin, et ce bouquin, et pouf. Ah merde, il y a les livres qui bougent avec. Ah. Alors, on va faire un truc. On va ajouter une petite boolean là-dedans. Qu'on va. Donc, attache. Movement en simple et dans le construct on va attacher donc notre acteur si on a ça. Comme ceci. J'ai pas eu le temps de voir la méthode de GoFlood.
Tu cliques sur ton BP player perso, sur ton level, tu cherches pawn dans la config et tu mets auto possess player. Oui, mais s'il le met en jeu, quoi. Il faut qu'il mette le player en jeu. Le caractère, l'acteur, quoi. Les bonnes c'est la vie, mangez-en, tout à fait. Salut G, comment vas-tu? Bientôt le week-end, ça y est là? T'es content? Ou t'es en week-end? Tu préfères les intégers? Et oui, effectivement, il peut mettre directement son pawn en jeu là ici. Et dans les paramètres tout en bas là, il va trouver quelque chose qui s'appelle auto-receiver d'input. Non, c'est pas le bon. Il est où? Voilà, c'est ici. Auto-possess player. Donc là, il peut mettre player 0 et il tombera sur le. Il prendra le contrôle dès qu'il apparaîtra dans le jeu, ouais, effectivement. C'est pas la méthode la plus propre. Hein. Enfin, c'est pas la méthode la plus propre du moment que, à partir du moment où tu prends le contrôle déjà d'un joueur avec ton game mode, ça veut dire que tu fais deux fois l'opération, quoi. Donc c'est pas fou. Salut Guido. Ok, donc là on doit être bon. Donc je clique ici. Je clique ici. Et je clique ici. Et on n'a pas ce bouquin qui s'ouvre parce que je l'ai pas mis dans la base de données, bien sûr. On va y arriver à force. Donc là, attache. Et j'ai mis attaque tout mouvement, c'est pas mal aussi. De rien, Trax. Donc lui il est attaché, lui il l'est pas. Et lui il est pas. Donc là normalement c'est ok. Il est quelle heure? 17h quand même. On a mis la journée à faire notre bibliothèque, hein, c'est ouf. Mais on a un truc cool. Et surtout complètement modulaire, quoi. Et là, on peut aller dans la salle derrière. Ok. Ok. Sachant qu'on verra pas la salle, hein. Ce serait une salle cachée. Ça va être une porte. Ah, c'est cool. Vous en pensez quoi là de ce petit système? Ça vous plaît? Sachant qu'on pourra mettre les bouquins n'importe où dans la salle. Ouais, ça vous plaît? Ça fait une feature de plus, quoi. Je vous laisse, Laura John m'attend pour commencer son spectacle. Ça marche. Merci. Merci de me réconforter. Merci, Smile. Ok. Bon, mais déjà, c'est ça de fait. On va continuer cette bibliothèque là, la forme de la Bibi. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre en Unite. Donc ça, on va virer. C'est fait. Ça va faire des clés volants à attraper comme dans Hogwarts. Non, je vais pas mettre de. Il y aura sûrement une sorte de petit lutin ou un truc à attraper des fois de temps en temps. On peut le faire pop, effectivement. Mais des clés volantes, c'est pas du tout l'esprit que je veux. J'aime pas trop, ça fait enfant. Moi, j'aime pas les trucs gamins, quoi. Même si le jeu est un petit peu stylisé cartoon, je préfère que ce soit un peu plus mature quand même. Je sais.
Donc je vais aller chercher des murs. Et on va designer notre... Alors par contre, j'ai pas de... Là, je suis à moins 300. J'ai pas de grands murs. Donc je peux pas trop les superpositionner, mes murs comme ça, là. Ça va pas le faire, ça. Quoique. Ouais, non, ça va pas le faire. Faudrait que je fasse un grand mur. J'en ferai un. Pour la bibliothèque. À la bonne hauteur, surtout. Pour l'instant, je vais le mettre comme ça. Et ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un truc qui parte donc d'ici. Et qui partent d'ici. J'aurais peut-être pas besoin en fait. Je fasse des étagères en rond aussi pour les murs pour caler ça à l'intérieur. Bon, j'ai un petit décalage ici. Bon, ça c'est parce que j'ai pas ajusté comme il fallait. Faudrait que je le fasse. Je crois qu'il veut quelque chose plus en le genre. Donjon, Ménite, Bayon. Un peu plus mature. Salut Alain. Donc forcément j'aurai un mur par là. Après la question c'est comment je gère mon passage secret? Ce sera une pièce différente, donc elle aura forcément. J'aurai forcément un autre mur en face. Qui sera calé donc par ici. Donc là l'espace il va être vraiment trop petit. Il faut que je recule plus mon mur. D'ailleurs, ma bibliothèque là. Ouais, je vais donner un peu plus d'espace. Comme ça. Il faut que j'ai minimum 4. Donc même comme ça. Et du coup, il faudrait que j'ai... petit rebord ici, mais ça va se voir, ça va se voir au plafond là. Ouais, il faudrait que j'ai un trou, que je fasse
Un O avec un trou, en fait. Ok. Beau rayonnage de livres, t'as vu ça? Tiens, regarde Alain, si t'as pas vu ce qu'on a fait. J'ai fait un petit système de modulaire, de portes à énigmes, avec différentes énigmes, différents interrupteurs. Donc là, je peux bouger mes interrupteurs comme je veux, je peux en mettre autant que je veux. Et j'ai des interrupteurs comme ça. Si je bouge ce livre, pouf, il y a un interrupteur qui s'affiche. Après, je lève ce livre, et je lève ce livre, et on a le mur qui se pousse, et on peut passer dans la salle secrète. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être cool. Donc on va mettre des angles droits. En fait, ouais, je vais modéliser un. Ou alors je fais une porte directement. C'est pas con ça. Ouais, mais non, la porte elle se verra aussi. C'est pareil. Parce que si je fais un passage comme ça, en plus il y a l'étagère, elle passe pas quoi. Ouais, faut que je fasse ça. Pas mal, je pense que j'ai mieux. C'est vrai, t'as mieux? Vas-y. Après, ça pourrait être autre chose que des étagères. En fait, le but, c'est de mettre le mesh que tu veux et les interrupteurs que tu veux. Tu les gères ici, tes interrupteurs. Donc, tu as le type de mesh d'interrupteur, le placement, la rotation, les couleurs. Lis le message au-dessus de celui que tu viens de lire. Alors. J'ai trouvé une idée pour la bibliothèque, je t'en parlerai ce soir sur Didi. D'accord, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir, carrément. Alors, je vais faire un mesh de mur là, juste pour le plafond. Et il va falloir donc. Il va falloir des angles quand même. Pas le choix là. Sauf que si je fais ça. Remarque, je peux combiner le mur ici. Ouais, on va faire comme ça. Donc, faut que je puisse caler ça ici. Ici, là on a dit qu'on laissait un peu plus d'espace. Comme ça. Donc, déjà, mon truc là, il doit aller plus loin. Sauf si. Parce qu'il arrive ici, donc normalement, si ça se cale là. Ouais, il peut se caler un peu plus loin, quoi. Je vais allonger la barre là. À 4. Je vais devoir refaire mes UV sous substance. Comme ça. Donc au niveau du déplacement de base, on va faire un déplacement. D'ailleurs, je l'ai pas codé ça, le déplacement. Donc moins 400. On va voir ce que ça donne. Contrôle S, gorgée d'eau. Ça marche.
400, ça pourrait aller plus loin. Hein. Oh, c'est du 300, c'est pas du 400, ça. Curieux. On va faire moins 500, là. Moins 450. Allez, on va pour moins 450. Ok, et du coup, il faut que je modélise ça. On est parti. Alors, mèche, environnement, donjon, wall. Tout ça, c'est pas le bon truc, ça, je crois. Non, c'est pas le bon. Alors, c'est prototype. Ok, donc il me faut ça, je vais le dupliquer. Je vais dupliquer les deux. Non, je vais dupliquer celui-là. On va travailler là-dessus. Alors. Déjà, je vais prendre tout ça. Je vais amener ça là. Ensuite, il me faut un petit rebord, donc dessous là. Donc, je vais faire un extrude de tout ça. Déjà de tout ça. Juste une face comme ça. Ça. Tout ça, on va le séparer. Je vais cut tout le haut là. Enfin, tout le bas, pardon. Tu utilises un matériel World Align pour tes walls? Oui, mais pas pour ce que tu crois. En fait, mon mur, mes murs. Alors, ceux-là, oui, parce que je mets du debug, mais mes vrais murs, en fait. Je te les montre. Alors, ceux du donjon, en tout cas. Si je prends ceux-là par exemple, ils sont texturés par avec substance. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas de world. Par contre, dans mon matériel, j'utilise un petit noise qui va donner de la différence dans tous mes murs en fait. Il n'y aura pas un seul mur qui sera pareil. Je vais te l'amplifier pour te montrer en fait. Voilà.
Donc il y a un petit noise comme ça qui permet de qui est calé sur le monde, qui est en triplanar quoi, qui me permet d'avoir des murs complètement différents à chaque fois. Voilà, c'est la petite subtilité. Mais par contre, ils sont pas. Je les ai pas mis sur le monde ceux-là. Je préfère les designer moi-même à la main, tu vois. Tout est fait à la main dans le jeu. Mais j'apporte des petites variations comme ça avec avec le noise. Alors. Donc là, je vais faire une petite découpe. Ici. On va caler ça donc à la hauteur de ça. Je vais me débarrasser de cette face. En fait, je me demande si j'aurais pas dû garder ça plus tôt. Donc là-haut, on va mettre une planche, à mon avis. Donc je vais juste découper tout ça, ça sert à rien. Comme ça. Ça, je vais l'inverser. Et je vais joindre donc ce bout ici. Je vais extruder ça ici. Est-ce que je devrais pas... Ouais, j'aurais pas dû. Je vais extruder tout simplement. Donc du coup, je vais pas couper ici. Je vais dupliquer ça. Je vais le split. Voilà, tout simplement en fait. Et au niveau des textures, par contre, on va mettre de la pierre ici où je vais le mettre tout en noir, ça. J'hésite. Ouais, je vais le mettre en noir. Ce que je pourrais faire, c'est me caler sur les mêmes UV. La seule chose que j'ai en plus, c'est ça. Franchement, ouais. Donc je vais séparer tout ça. Je vais me débarrasser de ça. Du coup, on n'aura que du bois. Et j'ai plus besoin. Si. Voilà. Et ensuite, mon mur droit. Du coup, je vais le découper là-haut. Je vais séparer. Bah, je vais séparer tout ça, quoi. Comme ça. On va l'appeler base. Ça c'est le haut. Hop, on dégage tout ça. Pourquoi j'ai une ligne ici, moi? Curieux ça. Et pareil, on va l'appeler base. Et ça, je vais l'amener là-haut. Et on va l'appeler. Donc c'est un fois.
On va l'appeler Secrets. J'ai plus qu'à exporter tout ça. Ah ouais, mais merde. Ça, il faut que je le mette avec aussi. Donc il va falloir une découpe ici, une découpe là, donc je sépare ce morceau, ça et ça, je les mets ensemble. Ça, je sais pas. Et ça, je mets ensemble. Comme ça, je peux exporter directement mon mur. Secret. Et comme ça, j'ai exactement le même UV. Et on est bon. Ensuite. On amène ça ici. Impeccable. On va lui mettre les matériaux dégueux. En attendant de faire les UV finales. Et on va poser notre petit mur. Et j'ai un problème de taille, forcément. On va réparer ça. Je suis pas censé avoir un problème de taille. Bah si, je suis en 4. Pour conserver les mêmes UV, du coup je vais devoir séparer comme l'autre. Bah il est là de toute façon. Donc ça, je vais le séparer. Je vais le sortir sur le secret. Ça. On va l'appeler up. Et ça. Hop. Voilà. Donc, je recharge ça. Par contre, il est pas assez large. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un plafond, non? On va supprimer le plafond. Par contre, il me faut les deux plafonds, enfin les deux, oui, les deux plafonds.
Ça, on va virer les collisions, parce qu'il doit y en avoir, je parie. Là, il me faut des collisions par contre. Alors, custom, wall. Et mes primitives, elles sont où? Elles sont là. Donc, 800. On a 300 en hauteur, donc ça fait du 700. Ça démarre à 300. 250 visiblement. Et en hauteur, donc on est à 850. Et donc 850 plus 225, ça fait 725. Moins donc. Donc 625. Entre les deux, donc 612,5. Voilà. Ok. Je vais copier ça. Je vais faire le même ici. Custom sur le canal wall. Hop, ça c'est ce qui me permet de bloquer la caméra en fait dessus. Et les matériaux. Donc le black. Donc au final, il n'y aura plus qu'un seul matériel hein, sur ces mèches-là. Ouais, c'est quand même particulier. Hein. Mais bon, ça marche. Faut deviner, hein, quand tu vois pas les bouquins, ça va être super chaud, quoi. Ok. Après, on fera des petites traces sur le sol, ce genre de choses. Mais au moins on a le passage. Il est peut-être un peu rapide aussi. Je vais le mettre dans le truc de base. Et alors ça, c'est paramètres, il va falloir que je les règle aussi. Donc on va mettre un transform. Movement wall.
On va se mettre à moins 450. Voilà. Et on va se mettre un petit time. Donc, overtime. Et ça va être un float. À 5 secondes même. Et on va voir un son. Mais ça sera pour plus tard. Je crois que c'est les waves, hein, je sais plus. Ouais, c'est ça. On verra. Donc tout ça va être éditable. Hop, 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 hop. L'interrupteur, ça va être après. Je commence un tuto pour mes drones. Sérieux? Un tuto, tu regardes un tuto ou tu fais un tuto pour tes drones? Et on va jouer le son donc. S'il est valide. On va faire un petit séquence ici. Ça. Et comme ça. Et ça, on fera les réglages qu'il faut, qui s'imposent. Je regarde un tuto que j'applique et c'est pas du séquenceur. Vous voulez que je fasse un petit drone vite fait là pour les persos? En 2-2. Non, si je commence à faire ça maintenant, on n'est pas sorti quoi. Alors par contre, le meuble rentre un tout petit peu dans le plafond. J'hésite. J'ai envie de mettre une sorte de petit rail. J'aimerais qu'il y ait un tout petit truc visible en fait, mais que ça soit hyper discret. Alors hier soir, j'ai essayé de faire sortir le rail, le faire déborder un poil en fait du meuble, mais c'est trop visible. Il faudrait que ce soit un petit truc vraiment subtil, tu vois. Un tuto sur la chaîne YouTube. Alors c'est pareil, il faut qu'il soit dans les deux sens, sinon ça marchera pas ça. Parce que ça va être une porte. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je fasse une petite symétrie. Toc. Ça pareil. Il faudrait qu'il y ait un tout petit morceau qui déborde.
Il y a rien qui déborde. Un décal, ouais, il y aura des décals, ouais. Ouais, remarque, les petites traînées, ça devrait suffire, franchement. Des petites traînées sur le sol, là. Alors, pas celle-ci. C'est celle-ci, je crois. Plus que ce soit dans ce sens plutôt. Un truc dans le genre là, mais en mieux quoi. Enfin là c'est vraiment. Là c'est un peu visible. Bon, en même temps c'est sur le bleu donc normalement c'est sur le gris, ça se voit pas trop quoi. Mais un truc dans le genre quoi. Ben les livres, ils ont déjà une couleur un peu différente, donc ça se voit quoi. Qui brille si tu lèches? D'accord, ouais, j'ai un doute, mais j'ai un doute. Hein. Il y a bien des gens qui dévorent les livres, c'est vrai, c'est pas faux. On te fait un système de combinaison avec tes livres pour ouvrir le passage si tu fais la mauvaise, tu tombes dans un piège. Ben là, justement, il y a un système de combinaison. Maintenant, il n'y a pas de piège. Donc on pourrait effectivement mettre un piège, mais... J'ai une information quand tu rates là en fait. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là-dedans. Si tu rates la combinaison, tu arrives ici en fait. Donc là, on pourrait avoir effectivement un événement. Un événement ici qui soit codé, qui crée un piège quoi. Qui fait séparer ça un monstre ou une connerie comme ça. Des livres qui dévorent les gens, des mimiques, ouais, pourquoi pas. J'aurais vu une tache sur le bois de la bibliothèque. Pas sur le sol. D'accord, Pivoli. Sur le bois de la bibliothèque. Mais où sur le bois? En façade? Ça n'a pas trop de sens. Sur le dessus, ouais, ok. Faut prendre le tome 1 en premier, puis le tome 2 pour ouvrir le passage, sinon ça ouvre une trappe qui te ramène plutôt dans le jeu. Ouais, on pourrait, bah c'est cette histoire de piège là, on pourrait faire un piège ici quoi. Je vais me le marquer. Piège. Point d'interrogation. Ouais, mais ça se verra pas la petite marque sur le livre. Regardez, vous voyez à peine les livres déjà, les gars. Faut pas non plus. Ben, ça va être chaud quoi. On pourrait avoir des petites marques sur le dessus du meuble, ouais, carrément. Ça pourrait être pas mal. Mais par contre, sur les livres, on voit que dalle quoi. Ça va être chaud, hein. En fait, là, si tu te trompes de bouquin, là, t'actives celui-là, par exemple. Si t'actives celui-là, tous les bouquins se redressent, en fait, pour l'instant. Donc, on pourrait avoir un piège. Et si tu essaies d'activer un bouquin qui n'est pas prévu pour, ça fait rien du tout, en fait. Donc, ça crée un piège directement, en fait. Il faudrait qu'il y ait un piège que si tu as un index supérieur à 0. Donc, si index order est supérieur à 0,
Je vais faire un séquenceur. Ça, on aura un petit piège. Mais ouais, des traces sur le dessus, ça pourrait être pas mal, hein. Clairement. Faudrait que je modélise des petites traces, des petites rayures. Ça, je vais le faire peut-être dans Substance. Je me ferai un deuxième matériel. Comme quoi, ça touche le plafond. Mais du coup, ça sert à rien. Ça aussi. Et le piège, tu le fais en animation avec un séquenceur. Non, en track, c'est pas du tout. Derrière, parallèle, au sens du mouvement. Oui, bien sûr. Donc perpendiculaire au mur, oui, tout à fait, ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Non, mais les petites rayures, c'est bien. Par contre, ouais, va falloir trouver pour l'idée du piège, j'aime bien. Mais c'est toujours pareil, je veux que ça soit modulaire, donc je pourrais créer des acteurs de piège et lier, donc attacher en fait le piège dans le... Si la variable piège existe, par exemple, pouf, on active le piège, quoi. Comme ça, je pourrais avoir plein de pièges différents, comme des haches qui passent ou n'importe quoi. Et on pourrait même attacher les pièges directement aux interrupteurs. Comme ça, vu qu'on a l'emplacement de l'interrupteur, et du coup, dans notre structure d'interrupteur, on aurait donc un acteur de piège. On va faire ça. Donc, structure. Comme ça reste modulaire. On peut complètement l'agencer comme on veut. Donc on aurait un acteur là-dedans, piège. Piège ref. Et là on aurait une référence d'acteur. Tout simplement. Et il faut que je sache quel interrupteur sur quel interrupteur j'ai appuyé. Et alors pour savoir, il faut que j'envoie l'index au restore séquence depuis ici. Donc si ça est égal à ça, on va refaire un petit branch. On va en faire deux du coup. Je vais sauvegarder cette variable. En local. On va l'appeler current index. Du coup, on va mettre ça là.
Et ici, donc, je vais avoir besoin d'une séquence. Et là, je vais faire un get par rapport à ça. Il me faut donc le piège ici. Voilà, donc je garde ça comme ça. Et bien sûr, le current index ici. Et du coup, on va faire un break ici, finalement. Hop. Voilà, là on est propre. Je vérifie vite fait que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Ah oui, dernière chose. Il faut que ça soit valide. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des pièges. Voilà. Super. Ah, j'ai une collision qui reste. On va dégager la collision. Ça, je crois savoir d'où ça vient. Et voilà. Bon, on est pas mal. Petite bibliothèque de fête. Alain va me filer une petite idée ce soir et peut-être qu'on améliorera tout ça. Ce week-end. Donc voilà. Donc je vais préparer le prochain défi de lundi prochain. Le prochain défi de lundi prochain. Ça sent la fatigue là. Je vais essayer de vous faire un défi assez fun lundi prochain. Donc lundi, on fera les résultats du défi l'après-midi à 14h. On verra tous les projets qui ont été faits, etc. Et puis j'essaierai de vous montrer des petites choses en fait par rapport au behavior tree, aux IA. Parce que c'est un drone qui a affaire en fait sur le défi. Donc je pense que c'est l'occasion de vous montrer tout ça. Et salut sur Def. Salut, salut, t'arrives à la fin. Et du coup voilà, petit après-midi on parlera un peu des IA, comment les faire. Je vais essayer de vous faire un petit tuto en live très rapidement sur les bases en fait de l'IA. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout, c'est une histoire de if en fait, c'est des conditions, c'est tout. Vous avez des tasks, vous avez tout ça. Je vous montrerai comment initialiser en fait l'IA tout simplement et puis voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait galéré par rapport à ça. Vous avez tous, enfin la plupart ont fait des drones qui fonctionnent directement dans le blueprint et vous n'avez pas fait de blackboard ou de behavior tree. Donc voilà. Je pense que ça peut être pas mal de vous parler de tout ça. Désolé, j'ai été très peu présent ces temps-ci. Bah, c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Ouais. T'en es où alors de tes activités? Est-ce que tu as continué à développer ton jeu de stratégie ou pas? Je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Bon courage pour le défi, s'il y en a qui vont continuer ce week-end ou qui vont commencer ce week-end. Et puis nous, on se retrouve lundi matin, donc. Si je stream pas avant, mais ça m'étonnerait ce week-end. Hein. Je trouverai jamais le temps de le faire. Je vais améliorer mon système de vote aussi pour lundi, comme ça sera beaucoup plus efficace. Et puis voilà. Et si on fait que les caméras soient des IA, ça fonctionne avec le défi suivant. Et si on fait que les caméras soient des... Avec le défi suivant, je pense pas que ce sera... À mon avis, ce sera vraiment un truc fun, le défi suivant.
J'y ai pas encore réfléchi, honnêtement. Bon, j'ai des idées, mais j'ai pas trouvé l'idée qui allait vraiment, vraiment tout péter, quoi. Donc, j'ai vraiment envie de faire un truc fun là pour la semaine prochaine. Donc, on va voir. Et puis, on verra en fonction du niveau aussi que je vois sur ce que vous me rendez ce week-end. Essayez de me le rendre le plus tôt possible, comme ça, moi, j'ai le temps de voir un peu ce que vous avez fait. Et je serai plus pertinent sur ce qu'on peut améliorer par rapport à votre code. Après, bon, j'en ai vu un peu, donc je sais à peu près sur quoi on va taper, quoi, ce week-end. Et puis voilà. T'aimerais bien ce Lord Def? C'est vrai, tu l'as vu le défi? Vas-y, tente quand même, tente le coup. En plus, toi, t'as les moyens de le faire, quoi. Et si on fait... Alors ça, j'ai lu. Ok. Bon, mais voilà. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Discord, hein, comme d'hab. Et puis, moi, je vous souhaite un très, très, très bon week-end. Je vous invite à aller regarder mon Patreon. Vous avez un lien qui est dessous. Si vous voulez soutenir mon projet Goddess, en fait. Voilà, si vous voulez me soutenir, moi, ce que je fais, etc. N'hésitez pas, il y a des petites choses sympas dessus. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Allez, à plus tard. Ciao.